Hello, je vous retrouve. Nous sommes samedi après-midi. Il est 17h. On vient d'aller faire pas mal de magasins parce qu'on a fait pas beaucoup de temps et c'était le moment où il fallait le faire parce qu'après tout, tous les week-ends sont pris et tout ça. Voilà. Alors, je porte un pull que j'ai créé, le pull Pythagore en partenariat avec Heidi, qui était un pull, une box fait pour les débutants en tricot. Et je porte des boucles d'oreilles que j'ai faites aussi, qui vont pas du tout avec ma tenue, mais c'est parce que j'ai fait des photos tricot aujourd'hui, tricot et couture. Voilà. Je parle pas beaucoup de tricot et de couture dans mes vlogs lecture, puisque ce sont des vlogs lecture, mais c'est alors le tricot, c'est quand même, ça fait quand même totalement partie de mon quotidien. Et quand je lis, je tricote. Et quand je tricote, je lis. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de tricot. Alors, c'est pas que je vais vous parler tricot dans mes vlogs lecture, mais ne pas oublier que je fais les deux en même temps. Et c'est peut-être pas des choses que je vous montre beaucoup. Enfin voilà, bon, je vais réfléchir à ça, mais. Voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Et je sais même pas par quoi commencer. Bon, écoutez, je vais commencer. C'est pas un ordre très logique. C'est juste comme ça que mes affaires sont posées à côté de moi. On a été à la Fnac, la plus grande Fnac qu'il y a pas très loin de chez nous. J'adore. J'adore aller là-bas. Notamment, l'espace enfant est juste génial. Il est super grand. Ça te permet aux enfants de trouver à chaque fois des nouvelles idées, des belles découvertes. Alors, de mon côté, bon, ils ont un très beau rayon Cozy Mystery, mais je crois que ça, c'est commun dans toutes les Fnac. Quoi qu'il a changé, la dernière fois qu'on a dû y aller, ça devait être, écoutez, on est tout début octobre, on n'y a pas été du mois de septembre, parce que c'était le mois de septembre et qu'il était assez rempli comme ça, mais on a dû peut-être y aller fin août et le rayon n'était pas au même endroit. Donc voilà, toujours très sympathique ce petit rayon Cozy Mystery. En revanche, alors, pas d'Agatha Christie que je n'avais pas, donc je les surveille toujours. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais et j'ai pas trouvé de Miss Silver. Et en fait, vous savez, j'ai lu Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth il y a pas très longtemps. J'avais beaucoup aimé et je m'étais dit, bah voilà, à l'occasion, si je tombe sur un Miss Silver avec les bonnes couvertures et tout, je prends. Et depuis que je me suis dit ça, eh ben, je tombe pas en fait sur des Miss Silver avec les bonnes couvertures. Donc c'est dommage, là, ils en avaient même pas un quoi. Voilà. En revanche, ma grande, elle a trouvé plein de livres. Alors, je vous montre pas ce que mon mari a pris. Il s'est trouvé deux Brandon Sanderson qu'il n'avait pas lu, dont un dont il attendait la sortie. Alors, je le vois d'ici, il est épais comme ça. Moi, c'est pas du tout mon style de lecture. Voilà, mon fils, il s'est pris Capitaine Tsubasa, mais pas en version. Alors, ça existe en version manga, en version bande dessinée, en version roman. Il n'a pas la version manga, il a la version bande dessinée. Et là, il va commencer la version roman. Il est à 100% dans le foot en ce moment. Donc, même ses livres sont autour de ça. Il s'est pris un petit livre, un peu encyclopédie sur le foot. Et c'est pareil, il en a pas mal. Et il est passionné par ça. Mais il lit pas trop d'autres choses en ce moment. Ma dernière, elle a pris carnet d'autocollants et puis des cahiers d'écriture, écriture cursive. Elle aime bien. Et ma grande, en ce moment, par contre, elle lit, elle lit, elle lit énormément. Donc, elle s'est pris le 24e tome de Ma vie, mes copines qui vient de sortir. C'est une série qu'elle adore. Voilà, qui se lit assez vite. Mais elle aime vraiment beaucoup. Les 6 et 7 d'Arnaud, le valet de Nostradamus, d'Annie Jay, chez Albin Michel, jeunesse. Voilà comment c'est à l'intérieur. Annie Jay, c'est la même autrice que Élisabeth, princesse à Versailles, entre autres. Donc ça fait des beaux livres. Les quatre sœurs, elle adore les quatre sœurs et elle adore notamment l'autrice Sophie Régal Goulard qui a fait des livres sur, par exemple, 48 heures sans jeux vidéo, 24 heures sans télé. Bon, c'est pas exactement ça les titres, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc elle aime bien. Et puis dans les quatre sœurs, il y a ces petits romans, mais il y a aussi les gros. Donc par exemple, les gros quatre sœurs ressemblent un peu à ça. Voilà. Donc elle était contente. En fait, quand on va là-bas, elle fait une liste des suites qu'elle cherche. Comme ça,
Comme ça, enfin, elle est contente, quoi. Ça permet vraiment de chercher et de continuer ses séries. Elle est tombée sur Copains des cabanes, le troisième. Voilà, c'est une série aussi qu'elle aime beaucoup. Le tout premier, c'était la fête d'anniversaire et elle l'avait eu le jour de son anniversaire. La cabane d'anniversaire, pardon. Et le deuxième, c'est le concours photo. Voilà. Emma James, Super Espionne, c'est le tome 5. Donc, c'est une série qu'elle aime aussi beaucoup. Alors, ils sont pas très chers. Donc, ça, c'est à 5,50. Là, 6,90. Donc, un peu plus. Celui-là, 6,80. Donc, un peu plus. Les Albin Michel Jeunesse, ils sont beaux, hein, mais ils sont à 7,50 €. Et le petit Bibliothèque Rose, il est à 5,50 €. Donc, c'est pas toujours. Enfin. J'allais dire, c'est pas toujours justifié. Non, c'est pas le mot. Enfin, j'en sais rien. Je travaille pas du tout dans ce domaine-là. Là, il fait 5,50 €. C'est vrai que quand on ouvre les pages, bah, c'est pas des pages blanches sur papier glacé. Contrairement à. Alors, j'exagère quand je dis papier glacé, mais bon, voilà. Là, Arnaud, c'est autre chose. Donc, ça, elle a trouvé deux livres de Bayard Jeunesse. Donc, vous savez qu'elle les collectionne. Ça lui permet de faire des exposés. Et plus elle fait d'exposés en classe, plus elle a de points. Et donc, elle adore faire ça. Donc, elle adore préparer ses petits exposés et découvrir ces livres-là. Je le trouve génial celui-ci, la véritable histoire de Jeanne qui manifesta pour les droits des femmes. Et puis celui-ci, l'incroyable destin d'Anita Conti, pionnière de l'océanographie, assez mis en plus adapté au cycle 3, donc c'est très bien, c'est cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Et donc ici on est sur les romans doc histoire et ici on est sur les romans doc science. Mais elle les a pas tous encore, mais franchement. On en est à pas mal quand même de livres de cette collection-là. Et puis, juste à la fin, on est tombé sur celui-ci et elle a regardé, ça lui plaisait. Donc, Orphea, Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg chez Poulpe Fiction. La couverture, elle est trop rigolote. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce sont les livres qu'elle s'est pris. Et alors, donc moi, je ne me suis pas pris de livres. J'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Quoique, j'ai fait un petit peu de ménage sur la table basse, vous ne voyez pas. Donc, c'est moins stressant parce que j'avais toutes mes piles et tout. Et en plus, ça n'avait pas de sens. C'est juste que certaines ne rentrent plus dans ma bibliothèque de livres à lire. Et donc, ça traînait sur la table. Puis en fait, je les ai mis autrement. Donc, j'ai pas pris de livres. Hein, j'en ai bien assez à lire comme ça. Mais j'ai fait quand même un sacré achat puisque j'ai pris la Kobo Libra par la Fnac. Donc, une liseuse. C'est. Alors. Je suis très livre papier et là, en un mois, je vous ai parlé des livres audio avec Audible. Je suis trop fan. Je vous parle d'une liseuse et tout. Enfin, c'est bizarre. Donc les livres audio, bon, je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparle après de toute façon. Liseuse, c'est dans le cadre des lectrices Charleston en fait que j'ai besoin de la liseuse. Alors c'est pas obligatoire du tout, mais je vais être amenée à lire pas mal de livres numériques. J'avais une Kobo, les toutes premières qui datent. J'ai eu la mienne il y a 11 ans, alors elle est un petit peu vieille, elle est un petit peu lente. Ce qui fait que quand j'ai été amenée à lire l'année dernière un livre numérique, je l'ai lu sur l'ordinateur et sur le téléphone, ça m'a explosé les yeux. Et du coup, bah, comme là, je vais avoir pas mal de livres numériques à lire, je préférais prendre une liseuse. Voilà, donc on en a parlé avec les autres lectrices. Elles ont été plusieurs à conseiller cette marque-là. Donc on avait été plusieurs à s'équiper avec ce modèle. Donc ce modèle, alors moi, ce qui m'a. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc je vous en parlerai. Je vous en parlerai davantage, mais en fait, ce qui me plaisait, c'est qu'il y a des boutons pour tourner les pages. Et je me souviens sur ma Kobo, en fait, à chaque fois d'appuyer, d'appuyer et de pas réussir à tourner ma page parce que c'était pas du tout à un écran tactile sensible, en fait. Donc ça m'a bien plu. Mais en fait, il y a quatre modèles de Kobo et les deux premiers, celui-ci, c'est le troisième.
en termes de prix. Les deux moins chers n'ont pas ces boutons-là, mais j'ai beaucoup hésité avec le deuxième en fait. Il y a vraiment des comparatifs qui sont faits, donc voilà. Donc je vous dirais, je regarderai aussi si pour les enfants il n'y a pas des livres numériques. Il me semble que je peux avoir en service presse avec une maison d'édition des livres numériques. Enfin, faut que je regarde. Donc ça peut être pas mal aussi pour les enfants. Mais je reste totalement attachée au livre papier. Ça va être en fait des épreuves non corrigées que je vais recevoir en livre numérique avant de recevoir le format papier qui trônera dans mes bibliothèques. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau de ma pile de livres, on a beaucoup. Enfin, pile de livres à lire, mais assez proche. Donc, je suis toujours dans la papeterie de Tsubaki, mais que je n'ai pas pris. J'ai pris un peu de retard dans le livre que je suis en train de lire. Là, mince, il y a des livres qui sont là-bas. Je vais aller chercher. Oui, je vous avais dit dans le précédent vlog que que je voulais finir le mercredi 3 livres, et donc je les ai effectivement terminés. Voilà, je mets fin au suspense. C'est bon, j'ai réussi ce petit défi. Donc, je vous en avais parlé de La couleur du silence, mais ça, je l'avais terminé pendant le vlog. J'ai aussi terminé le 23e tome d'Agatha Raisin, Serpent et Séduction. Donc, Agatha Raisin écrit par M.C. Beaton. M.C. Beaton, c'est un pseudonyme. Malheureusement, l'autrice nous a quittés il n'y a pas très longtemps et c'est publié chez Albin Michel. Elle a aussi écrit Miss Macbeth. Elle a aussi écrit la série Lady Rose sous le même pseudonyme, mais elle a écrit plein d'autres livres. Donc, Agatha Raisin, bon, je vous en parle pas, je vous en ai quand même pas mal parlé dans le précédent vlog. Voilà, c'est la première série de Cozy Mystery que j'ai découverte, ce qui fait que je suis très attachée à cette série de Cozy Mystery, et pour moi, ça, c'est un peu comme si un bon Cozy Mystery, enfin, les codes du Cozy Mystery étaient les Côte d'Agatha Raisin, donc un côté des cottages, un village anglais, voilà, un village, enfin, avec ce qu'on imagine sur le village. Donc voilà, j'aime beaucoup Agatha Raisin. Je les ai repris en livre audio que j'écoute avec Audible. Donc je les ai déjà, hein, je les ai tous. Je m'étais arrêtée au 22e tome, mais j'ai le 23 jusqu'au. Là, j'ai quoi? 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29. Ça doit être jusqu'au 29e tome. Voilà, je les écoute principalement dans la voiture. C'est des livres audio plutôt courts, hein, qui font 5-6 heures d'écoute. Donc ça veut dire que moi, ça me fait 2 jours de trajet. Et j'en ai fini un ce matin avec mes écouteurs studio en cousant. Donc ça, j'étais super contente. J'ai pu coudre et avancer mon livre audio et ça m'a fait bien plaisir parce que la couture, c'est pas forcément ma passion. Donc voilà, j'étais super contente de retrouver Agatha Raisin. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que si vous commencez à peine la série, ce que je vous conseille, parce que le premier il est excellent, enfin je me rappelle avoir eu des fous rires en le lisant. Du coup, si là je vous parle de certains personnages, vous n'allez pas les connaître et je risque de vous dévoiler des choses. Donc je souhaite pas en dire davantage, mais en tout cas, je l'ai terminé mercredi soir. Et ensuite, j'ai commencé dans la voiture jeudi et vendredi celui-ci. Alors vendredi, j'ai eu un petit peu moins de temps sur la route parce que j'ai décalé mes horaires. Donc, ce qui fait que je commence un petit peu plus tôt, enfin, d'un quart d'heure, hein, mais c'est pas grand-chose, mais au final, ça me permet de gagner du temps sur la route. Des fois, en partant 5 minutes plus tôt, on va gagner 10 minutes, enfin, on va arriver 10 minutes plus tôt juste parce qu'on gagne 5 minutes de bouchon. Donc, il me restait encore ça à lire aujourd'hui, ce que j'ai fait du coup en cousant. Donc voilà, donc toujours, vous voyez, mon 23e tome, mon 24e tome, donc toujours, toujours très contente de retrouver Agatha Raisin. Et dans la foulée, j'ai commencé toujours en faisant ma couture ce matin, le 25e tome qui est au théâtre ce soir. Et donc j'ai lu seulement cette petite partie. Mais comme je suis dans un week-end à 250-500 et que j'avais de la couture à faire, eh bien ça m'a permis quand même d'avancer sans trop culpabiliser de ne pas pouvoir lire. Donc ça m'a fait avancer quelques pages. Donc quand on me demande, enfin quand je compte mon nombre de pages, parce qu'on m'a posé la question, je compte les pages audio, enfin écoutées du coup en audio. Alors j'ai toujours le livre papier à côté, ce qui fait que je sais exactement comment j'avance.
Et en fait, avant, je me disais que ça pouvait être un petit peu de la triche ou je sais pas. Là, comme je sais que je lis beaucoup plus vite que ce que je peux écouter, même si j'arrive à augmenter un petit peu la vitesse, mais bon, globalement, je vais lire moi-même beaucoup plus vite que ce que je peux écouter. Du coup, bah, je me dis que je peux bien compter les pages. Enfin, ça a arrangé ma conscience. Voilà, donc le grand retour d'Agatha Raisin chez moi, dans mes lectures. Et donc là, pour l'instant, bah, je continue avec celui-ci qui me fera. La semaine prochaine, je vais 2 jours sur place et pas 3, mais il y a un jour où j'y vais et je risque d'avoir beaucoup, beaucoup de monde sur la route. Donc, bon, celui-là, je pense qu'il sera terminé la semaine prochaine. J'ai de la couture demain aussi, donc je vais avancer et bah, je continuerai. Et une fois que j'aurai terminé tous les 4 qui me restent, bah, je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que je commence à Miss Macbeth ou est-ce que je vais faire une pause si jamais je lis un livre qui est aussi en audio pour bien l'avancer en même temps sur la route? Je ne sais pas. J'ai terminé aussi celui-ci mercredi, Surface d'Olivier Norek. Il est très bien. Je dois vous avouer que quand je suis arrivée au dénouement, je me suis dit, ah non, en fait non, non. Et je me suis fait avoir parce que ce que je croyais être le dénouement n'était pas le dénouement final. Et une fois que j'ai tout terminé, je me suis dit, ah il est bien. Ah il est très très bien. Donc. Je veux toujours pas vous dévoiler de choses sur l'histoire. Hein. Je vous rappelle que la quatrième de couverture, il y a seulement ça d'indiqué. Donc allez le découvrir. Mais franchement, pas mal du tout. Alors totalement différent d'Entre deux mondes aussi. Incomparable. Mais bah, j'aime bien Olivier Norek. Et il faut que je continue du coup à lire ses autres livres. Au début, j'avais un petit peu peur de li lire ses livres. J'avais peur qu'il y ait un côté un peu gore en fait. Enfin, que je sois un peu choquée par certaines scènes. Bon, alors pas du tout. Enfin, pas du tout. Bon, j'exagère parce qu'il commence très fort. Il commence vraiment très fort. Mais il s'amuse pas à décrire des scènes sanguinolentes, en fait. Contrairement à Stephen King, même si dans 22 novembre 1963, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça, bon, il y avait quand même, notamment, enfin, je pense notamment à une certaine scène, bon, il y avait des détails, bon, il s'est un peu amusé, il aurait pu s'abstenir de décrire tout ça comme ça. Ensuite, j'ai commencé Meurtre et Muffin au Myrtille. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas lu beaucoup. J'ai été très fatiguée par la route jeudi et alors vendredi aussi, même si, comme je vous dis, qu'il n'y avait pas grand monde. Mais ça me fait. Enfin, maintenant, je me lève à 5h30 le matin et je n'étais pas habituée. Je me lève naturellement à 6h30. Enfin, je me réveille naturellement à 6h30. Donc, je ne me réveille pas naturellement à 5h30. Donc, ça me demande un petit effort. Petit à petit, j'ai avancé mon réveil, en fait, pour vraiment essayer d'avoir le moins de temps possible sur la route. Et enfin, bon, bref, j'ai fait des petits ajustements. Et puis, bah, mes journées sont pas. Enfin. Pour l'instant, c'est pas le pire. Le pire va arriver au niveau du travail, de la quantité de travail et tout, et de la pression. J'ai le pire moment de l'année qui va arriver dans 2-3 semaines. Donc, on n'est pas dans les semaines les plus tendues, mais je m'ennuie pas. Ouais. Je ne m'ennuie pas, mon équipe ne s'ennuie pas, et c'est toujours un plaisir enfin. J'aime toujours mon travail et tout ça, et c'est toujours un plaisir de jongler entre les différents sujets avec bah, chaque personne de mon équipe, en fait, de les accompagner s'ils ont besoin, ou d'arranger les plannings, ou de faire face aux imprévus, ou au contraire qu'ils m'apprennent des choses et qu'on puisse voir comment évoluer. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir, mais il y a des fois où je passe beaucoup, beaucoup à plein de sujets, il y a d'autres choses à côté, et c'est bien, c'est des journées remplies, mais j'étais un petit peu cassée, et ce qui fait que j'ai pas avancé comme j'aurais souhaité. Donc en fait, j'avais avancé seulement de 100 pages jeudi soir et vendredi soir. Donc là, il faudrait que je l'avance bien, surtout que j'ai commencé à être un petit peu en retard, enfin un petit peu beaucoup. J'aurais dû le finir hier d'après mon planning, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver Anna Svensson. On entre tout de suite dans l'histoire. Voilà, j'aime beaucoup. Et je me répète, mais j'adore les livres du Cherche-Midi. J'adore cette police de caractère. J'adore les en-têtes des chapitres. Alors, il y a des recettes de cuisine mais dedans, mais
Moi, c'est pas pour moi, hein. C'est pas du tout pour moi, mais voilà, c'est très sympa, l'ambiance est très sympa. Et on entre tout de suite dans l'histoire, enfin, on entre tout de suite dans l'histoire et on entre tout de suite dans l'intrigue. Enfin, on est pris, enfin, c'est un peu ce que je vous disais quand je vous parlais de la série Une enquête de Loveday et Ryder, où en fait, on se pose pas de questions, on nous prend par la main et on commence à peine le livre, que poum, on est pris par l'histoire, par l'écriture. Mais il y a donc il y a le côté écriture, mais en plus de ça, l'intrigue, elle arrive, elle commence très vite. Voilà. Et non, c'est pas la fin encore. Je vais avoir encore autre chose à vous dire, mais j'ai reçu ce livre-là, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Je vous avais parlé du fait que j'avais commandé auprès de ma libraire une version. Je lui avais demandé conseil parce que on va lire en lecture commune l'Iliade et l'Odyssée à partir de novembre. Et ça, j'avais très envie en fait de lire l'Iliade et l'Odyssée, enfin, et pas que des extraits de l'Odyssée comme ce que j'avais fait jusqu'à présent, ou ne pas avoir regardé seulement la guerre de Troie en film. Voilà, je voulais vraiment la vraie version, enfin, connaître la base, savoir d'où tout ça est parti. Le souci, c'est que j'avais vraiment peur j'avais peur de cette lecture, peur de la traduction. Donc j'avais demandé conseil à ma libraire. Et alors, on avait commandé les livres, et puis bon, il y a eu plusieurs soucis, et je les avais pas commandés au même moment. Enfin, et au final, j'ai reçu les livres 2 semaines après la commande. Enfin, j'en ai reçu qu'un, l'autre m'attend à la librairie. C'était cette version-là. Et en fait, pour moi, c'était juste pas possible au niveau de l'écriture. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc si je vous lis le début du chant 1, Muse, dis-moi, l'homme inventif qui erra si longtemps lorsqu'il eut renversé les murs de la sainte Ilion, qui visita bien des cités, connut bien des usages et eut à endurer bien des souffrances sur les mers, tandis qu'il luttait pour sa vie et le retour des siens. Première phrase. Ici. Alors, on est dans l'Odyssée. On est dans l'Odyssée, puisque là c'est un livre avec l'Iliade et l'Odyssée. Postface de l'Iliade. Début de l'Odyssée, voilà à quoi ça ressemble. Conte-moi, Muse, l'homme des mille détours, qui tant et tant erra quand il eut saccagé la sainte cité de Troie, qui de tant d'humains vit les villes et connut les pensées, et sur mer tant de souffrances ressentit dans le fond de son cœur, pendant qu'il assurait sa vie et le retour de ses compagnons. Il ne les sauva pas pour autant, ses compagnons, malgré son désir. Leur propre égarement causa leur perte. Quels enfants! Ils prirent des vaches du soleil Hyperion, qu'ils mangèrent toutes, et le soleil leur ôta le jour du retour. À nous aussi, déesse, fille de Zeus, de cette histoire, fais-nous quelques récits. Bon, j'ai été plus loin, mais c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, au final, bah, j'ai acheté celui-ci pour rien. J'ai commandé celui-là sur Amazon. Je l'ai commandé parce que plusieurs personnes dans la lecture commune, en fait, j'ai 2 groupes de lecture commune sur ce livre, sur ces livres, et plusieurs personnes ont mis des photos, en fait, des premières pages de l'Odyssée, et j'ai choisi en fonction de ce qui me paraissait le plus accessible. Donc c'est un seul livre qui est plus fin que ce à quoi je m'attendais. Les pages, on dirait des pages de Quid, hein, pour les plus anciens, des pages très très fines. Elles sont, là, vous voyez, je pensais en avoir pris une, et en fait, j'en ai pris 2. Elles sont très fines, elles sont même un petit peu transparentes. Le livre se tiendra mieux, enfin se tiendra pas trop mal, hein. Après, c'est pas, enfin, voyez la couverture de celui-ci, elle est canon. Là, c'est peut-être un petit peu moins joli. C'est un livre pour deux, enfin pour 2 histoires. Voilà. Bon, j'ai toujours un petit peu peur d'y aller. On va voir comment ça va se passer. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai reçu le lendemain. Donc voilà. Et après, bah, le conseil, bah, je l'ai pas eu effectivement par Amazon. Je l'ai eu par d'autres personnes. Bon, je suis un peu déçue que ça se soit passé comme ça pour celui-ci. Bon, je suis un peu déçue pour plusieurs raisons, mais qui me sont personnelles. Je veux pas rentrer dans certains débats, mais c'est dommage que ça se soit passé comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les livres et je vais terminer par une petite enveloppe. Voilà le timbre et j'ai donc été totalement influencée par Estelle, de Petite Lectrice. Je me disais non, je vais pas moi aussi faire une commande chez Adelchat quand même. C'est bon, on voit pas ça de partout, quand même pas.
Je vais quand même pas faire pareil que tout le monde. En fait, si. Si, si, si. En fait, j'ai regardé un de ses carnets de bord et je ne l'ai pas fini. Je me suis arrêtée au moment où elle faisait la commande. En fait, je me suis arrêtée pour faire moi-même la commande. Elle montrait la commande qu'elle avait reçue et j'ai été convaincue, j'ai tout arrêté, j'ai passé commande. Alors, je n'ai pas ouvert parce que je voulais ouvrir avec vous, mais j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est juste trop beau. C'est trop, trop bien présenté. Donc, avec un petit carton pour que ce soit pas abîmé et que ça tienne bien. Mais c'est trop, trop bien présenté. J'ai un petit code. Ah, mais en plus, vous voyez, il y a même... c'est génial. Avec un petit bout de laine, enfin de laine, de coton en fait, mais de coton à tricoter. J'ouvre ça. C'est... je suis impressionnée par le soin apporté. Alors bien sûr, je regarde les vlogs d'Estelle, hein, mais de le recevoir en vrai, c'est encore autre chose. Hop. J'en mets un petit peu de partout. Ah, voilà. Voilà, 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 voilà. Je l'ouvre. Donc, avec cette jolie carte, Autumn Time. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas passé la commande hier. Hein, ça fait quand même quelques jours. Ça fait peut-être 10 jours. Ouais, 10 jours. Ouais, si, ça peut faire ça. Et... ou une semaine. Enfin, je me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Alors, j'ai pris ces marque-pages en petit. Et ils sont vraiment petits. Mais en fait, c'était ce que je souhaitais. Hop, vous voyez. C'était ce que je souhaitais parce que j'ai des grands marque-pages, notamment ceux de Saléandre. Oui, c'est ça, Saléandre. Vous voyez là. Saléandre avec plume papeterie. Elle fait de l'aquarelle. Ils sont superbes, mais ils sont grands. Et donc, vous voyez, ils s'abîment. En... ils se tordent un peu, ils s'abîment. Donc là, je voulais vraiment des petits pour mes petits livres. Voilà. Donc, très chouette. Et puis, j'ai pris cette carte. Donc, cette carte qui va ressembler un petit peu à ce marque-page. Alors, on n'a pas les mêmes choses en dessous. C'est pas tout à fait les mêmes livres, mais ça se ressemble. Donc, au début, j'ai hésité parce que je me suis dit... ça risque de faire doublon, mais non, parce que en fait, la carte, ce sera plutôt pour mes photos Instagram. Et les marque-pages, ce sera pour mes livres. Voilà. Et puis, bah, je vais récupérer la jolie petite carte aussi qui est sur le petit paquet. Oh, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait... ah, non, mais il y avait autre chose. En fait, il y a un petit mot derrière. Un petit mot derrière. Ah, c'est très gentil. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas revenu vers vous, enfin plusieurs jours. Il faut dire que j'ai enregistré samedi dans l'après-midi, dimanche j'avais pas grand-chose de plus à vous dire, j'avais pas voilà, beaucoup d'avancées, je n'ai rien reçu dimanche. Il s'avère que je n'ai pas reçu de livres non plus lundi et mardi. J'attends beaucoup de choses, et comme au mois de septembre, j'attendais beaucoup de choses que je n'ai jamais reçues. Je m'inquiète un petit peu, donc on verra. Et puis bah, lundi et mardi, j'ai travaillé sur place, donc en gros, je me lève à 5h30, je rentre à 18h30 le soir et je suis après, mais une loque quoi. Enfin, même si j'ai une mèche bizarre là. Même si j'ai moins de trajets que ce qu'il y a eu la semaine dernière, parce que justement, je me lève plus tôt qu'avant. Comme je vous avais dit, par rapport à avant le contexte sanitaire, ma maison n'a pas changé d'endroit, mon travail n'a pas changé d'endroit, mais je perds 45 minutes
de temps sur la route. Donc j'ai décalé, alors j'ai pas décalé mes horaires, j'ai plutôt décalé l'heure à laquelle je pars de chez moi. Je pars toujours du travail à la même heure, donc ça fait des journées qui se rallongent et un rythme à prendre parce que 5 heures, me lever à 5h30, c'est pas mon horaire habituel encore. Donc voilà, mais en tout cas, je gagne un petit peu de temps sur le trajet en faisant comme ça. Ce qui fait que du coup, le matin, j'ai les jambes qui tremblent parce que je me fais pas encore à 7h de réveil. Mais elles ne tremblent plus à cause du trajet de 2 heures, puisque je n'ai plus 2 heures de trajet le matin. Voilà, donc petite organisation. Et donc le soir, bah, quand je rentre, il est 18h30, donc c'est pas tard, hein. Bon, c'est juste que je suis partie à 6h30 le matin et que, et que enfin, chacun s'organise comme il veut, mais je ne fais pas trop de pauses dans la journée. Le midi, je sors, je fais un aller-retour pour m'acheter à manger. Je lis 5 pages, ça s'arrête là. Donc les journées sont un peu longues et du coup, le soir, c'est une épave, donc je n'ai pas du tout le courage de vous retrouver. Il me faut en général le temps avant de manger pour essayer de tenter de couper et tout, et puis après tenter d'avoir une petite soirée et pas m'écrouler dans mon lit à 21h. Donc voilà. Bon, c'est pour tout le monde pareil, hein, mais c'est vrai que moi, cette histoire de changement de rythme et puis l'automne. Hier matin, j'avais une réunion dans la même ville que là où je travaille, mais plus loin. Voilà, donc j'ai été à pied. Il y avait une pluie de fou. J'avais un petit parapluie, vous savez, tout simple, pliable et tout, que je peux mettre dans mon sac à main. Sur le trajet, j'ai eu le temps de le casser 2 fois. Donc il s'est retourné, mais il se retournait en permanence. Donc j'ai cassé des baleines, j'ai cassé le truc, le petit bout et tout. Mais je suis arrivée, j'avais un pan de parapluie qui tenait plus à cause des baleines cassées. C'était horrible. Voilà, mais c'est l'automne. Bon, mis à part ça, je porte le pull Lady Magdalena que j'avais créé avec un coloris qui s'appelle Magdalena, créé par ADID, qu'on avait créé ensemble. Ils avaient créé le coloris que j'avais en tête. Donc je suis super contente de le porter. Et c'est ça aussi l'automne en fait. C'est aussi les couleurs automnales, c'est aussi les pulls faits main. Et donc ça c'est le petit bonheur. Et la cheminée aussi qui n'est pas allumée là, mais on a déjà fait 2 feux de cheminée depuis samedi. Et c'est cool, enfin, je suis assez contente, ça fait du bien. Il y a un petit côté cocooning. Alors, ça fait du bien parce qu'en fait, on l'a allumé parce que j'avais froid, donc je n'ai plus froid. Mais ça fait du bien parce qu'il y a le côté un petit peu cocooning. Voilà, bon, allez, après cette longue intro, on parle de livres. Alors, au niveau, donc, comme je vous disais, des trajets, donc j'ai toujours beaucoup de trajets, mais j'en ai moins que ce que j'avais bah, la semaine dernière, voire la semaine d'avant. Donc, j'ai peut-être un peu moins écouté de livres audio, mais j'ai quand même terminé celui-ci, qui est le tome 25 d'Agatha Raisin, au théâtre ce soir. Donc, je les ai tous en format papier. Soit c'est parce que je les ai achetés, soit c'est parce que Albin Michel me les a envoyés en service presse. Je ne sais plus s'ils m'en ont envoyé 2 ou 4 en service presse. Je crois que c'est 4. Je crois. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai commencé en faisant de la couture. Je ne sais plus si je l'ai commencé samedi ou dimanche, mais en tout cas, voilà, je l'ai commencé quand j'étais en train de coudre. Ensuite, je l'ai continué sur la route lundi, mardi. Et hier soir, il me restait l'épilogue à lire, donc je l'ai lu quand je suis rentrée sur le format livre. Enfin, je suis toujours contente de retrouver Agatha Raisin. C'est vraiment, enfin, c'est un petit plaisir pour moi. J'aime beaucoup la voix de la lectrice sur Audible. Vous êtes nombreuses à m'avoir, moi, à m'avoir. Ah, j'arrive pas à parler ce matin. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça aussi, parce que vous êtes nombreuses à écouter les aventures d'Agatha Raisin sur Audible. Voilà. Donc c'est vrai que elle a une voix qui est plutôt agréable. Donc voilà, c'est une lecture. Oh, pardon.
Oh là là, ce matin, ça va pas. C'est une lecture plutôt agréable, c'est pas, sans prise de tête. Alors, il y a des schémas qui peuvent paraître un peu connus et tout, mais j'ai pas quand même l'impression d'avoir strictement la même chose dans chaque tome. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai tremblé pour Agatha plusieurs fois dans le livre. Elle s'est mise en... Enfin, non, c'est même pas qu'elle s'est mise en danger. Là, pour le coup, elle s'est même pas mise en danger. Mais bon, voilà, je suis fan de cette série que je retrouve vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Il me reste encore 4 à lire et je suis assez contente. Donc voilà, je sais, c'est juste que je ne sais pas au niveau de mes livres audio comment je vais faire. Est-ce que je continue avec le suivant? Ou est-ce que je passe à un autre livre du genre Une saison à la petite boulangerie que j'avais prévu de lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Il y a aussi Kilomètre Zéro de Maud Ankawa que j'avais aussi prévu de lire dans ce cadre-là. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas si j'enchaîne ou pas, mais avec les Agatha Raisin, d'un côté, il y a un, enfin, c'est confortable si vous voulez. Enfin, je prends la voiture et je me mets un Agatha Raisin, que ce soit le 23, le 24, le 25, le 26, jusqu'au 29, peu importe. Mais voilà, donc du coup, il y a vraiment un côté très, très agréable. Voilà, donc à suivre sur ça. Je vous raconte pas ce qui se passe, je vous parle même pas des personnages parce que ça pourrait vraiment vous spoiler. Donc, en cozy mystery, et c'était pas forcément évident. J'ai lu Meurtre et Muffin aux Myrtilles. C'était pas évident parce qu'en fait j'avais deux cozy mystery en parallèle. Il y a un moment où ah, j'ai eu un petit doute quand même sur quelque chose. Puis bon après non, c'est bon, je me suis dit. C'était bien telle ou telle histoire. J'ai réussi après à remettre les choses dans l'ordre, mais bon, c'est peut-être pas une bonne idée de lire en même temps deux livres de style assez proches en fait. Donc, Meurtre et Muffin aux Myrtilles, c'est le troisième tome des enquêtes d'Anna Svensson, série écrite par Joanne Flux. C'est une série de cozy mystery qui n'a pas été écrite récemment, un peu comme les Agatha Raisin. Ce que vous voyez, celui-ci, il date de 2002, mais il vient de sortir chez Cherche Midi. Et le Agatha Raisin, donc on est au 25e tome, hein, mais ce Agatha Raisin, il date de 2014. Bon, ça va encore. Mais les tout premiers avaient été écrits dans les années 90. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Enfin, même si je vous dis que ça se rapproche d'Agatha Raisin, c'est quand même assez différent sur certains points. L'héroïne est beaucoup plus jeune. Elle a, enfin, je trouve les histoires peut-être plus complètes en fin de compte dans les enquêtes d'Anna Svensson par rapport aux Agatha Raisin où c'est des lectures qui vont vite en fait les Agatha Raisin. Que là, c'est peut-être plus complet. Le livre paraît très épais. Mais alors il fait 430 pages, mais à l'intérieur il y a des recettes en fin de chapitre. Alors pas systématiquement à chaque fin de chapitre, mais à certaines fins de chapitre, ce qui fait qu'il y a 3-4 pages qu'on compte pas quand ça arrive, quand on a un chapitre qui finit comme ça, bah en fait il y a 3-4 pages qui comptent pas dans le chapitre, parce que ce sont des recettes et moi je ne cuisine pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas, mais j'aime vraiment cet univers. Donc dans ce tome, pareil, je vais faire attention à ne pas vous spoiler, mais en gros il y a le village d'Eden Lake et ce village va organise le premier carnaval d'hiver et donc pas mal d'animations sont prévues pour cet événement et notamment une grande animatrice d'émissions de cuisine vient dédicacer son livre. Donc voilà, c'est comme je dis un événement, sauf que cette présentatrice, bon, elle est assez fière d'elle, assez exécrable, désagréable et au final, eh bien elle va mourir assassinée. Voilà. Donc forcément, il va y avoir une enquête. Le souci, c'est que Anna Svensson, elle a sa boutique de cookies. Et
le meurtre va se passer dans sa boutique. Donc en fait, sa boutique est fermée, ce qui l'embête énormément. Donc elle arrive à trouver des solutions un peu provisoires pour pouvoir quand même continuer à faire ses petites pâtisseries, ses petits cookies, notamment parce qu'il y en a besoin dans le cadre du carnaval. Mais elle va vraiment se mêler à l'enquête pour essayer de faire en sorte que ça avance plus vite. Alors, son beau-frère est policier, d'ailleurs il s'appelle Bill, ce qui me fait vraiment rire puisque ici aussi il s'appelle Bill, voilà. Et donc on lui conseille quand même fortement de ne pas trop se mêler à tout ça, de pas trop se mettre en danger. Donc d'accord, mais elle écoute pas trop. Puis bon, c'est un peu comme dans Agatha Raisin, quoi. C'est ok, ça plaît pas trop à la police qu'il y ait une enquête parallèle faite par une femme, mais en même temps, cette enquête parallèle n'existerait pas. On sait pas où la police en serait dans la résolution de ces crimes. Voilà, donc très 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 sympa. On retrouve la sœur d'Anna Svensson, on retrouve sa maman. Sa maman est une caricature, elle est vraiment très très insupportable, et elle en a marre que sa fille trouve des cadavres tout le temps. On retrouve d'autres personnages secondaires que je vais pas vous citer pour pas vous spoiler, mais voilà, en tout cas j'ai passé vraiment un très bon moment. C'est toujours un plaisir de lire les livres du Cherche Midi. Les pages sont vraiment épaisses, j'adore moi la police de caractère, et puis vous voyez les petits dessins qu'il y en a en tête, en fait, la couverture, ça compte, forcément, ça compte, puisque c'est ce qui va attirer ou non dans la lecture d'un livre. Il faut peu que ce livre il soit mis en librairie à plat comme ça, et vous voyez la couverture, ah, ça attire le regard. Donc bien sûr que la couverture est hyper importante dans le fait de choisir un livre ou non. Enfin, moi, je vous avoue que je regarde la couverture, si la couverture me plaît, je tourne pour lire en diagonale la quatrième de couverture, et puis voilà, et après j'achète le livre. Mais c'est vrai que forcément, ça a un impact énorme. Mais quand on lit le livre, la couverture, bah on la voit pas. Donc si la couverture nous met dans une ambiance extraordinaire et qu'on la voit pas tout au long de la lecture, ça sert pas à grand chose. Là, le fait qu'on ait une police de caractère particulière, eh bien ça nous plonge dans l'ambiance, je trouve, dans cette ambiance, enfin, voilà. Je ne vais pas me répéter et vous reparler de tout ça, mais j'aime vraiment beaucoup, enfin, vous savez à quel point j'aime les livres papier, et donc je suis vraiment toujours aussi conquise par les livres du Cherche Midi, et je suis en train d'en lire un autre. Alors pour le coup, on est dans un style totalement différent, c'est Happy Fucking Christmas, Dear Janet, de Lucy Bridge. Totalement différent. Il est, c'est un livre qui est. Alors, pour vous dire les choses très franchement, ce livre m'a mis le moral à zéro au début de la lecture. Voilà, comme ça c'est dit. En fait, on suit Janet. Janet, elle est triste, c'est ce qu'elle dit. Voici Janet. Janet est triste, pas seulement pour elle, pour le monde. Voilà. Donc tout est triste, voilà, faut pas se réjouir. Elle est anti-Noël, elle est anti-personne, en fait, elle veut voir personne. Limite, la vie n'a aucun intérêt, mais c'est quand même pas dans le genre suicidaire, mais... voilà, alors je vous avoue que je lisais ça lundi soir et mardi soir après mes bonnes journées au travail et tout... Lundi soir, au début, oh, elle est sympa, Janet. Il y a des moments rigolos, mais à force d'être pessimiste comme ça, elle nous contamine, quoi. Donc ça, c'était lundi soir. Et puis, mardi soir, bah, en fait, je l'ai retrouvée avec plaisir. Et vous voyez, là, j'en suis à la moitié du livre. J'ai lu ça, il me reste ça. Et bah, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte de voir comment l'histoire va continuer et tout. Je suis passée au-delà, en fait, de ce côté... peut-être que lundi soir, j'avais du mal à prendre du recul et j'étais très terre-à-terre, très premier degré. Mardi soir, c'est bon. L'effet de surprise était passé, c'est bon. J'étais prête à retrouver Janet et ces moments vraiment... Mais hier, je lisais des...
Ah oui, voilà, c'est ça. Je disais des passages à mon mari en disant, mais tu vois quand même. Donc là, elle met, je croyais que tout le monde ici serait comme moi, que personne n'avait envie de venir à cette réunion. Manifestement, je me trompais. Il y a au moins deux personnes qui ont l'air de s'éclater. J'ai peur que l'une des deux se rapproche de moi et décide de me faire détresse. Il faudra que je pense à ne pas me laver les cheveux pendant plusieurs jours avant de venir la prochaine fois au cas où. Voilà, et c'est ça tout le temps. Donc voilà, vous voyez, quand on prend un peu de recul, qu'on est plus second degré et tout, il n'y a pas de souci, c'est assez, assez rigolo. Mais ouais, il y a le côté où, allez, ouais, traîne des pieds, hein, fait pas les choses très gaiement. Hein, donc voilà, donc j'ai continué cette lecture aujourd'hui, j'aimerais bien même la terminer aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard dans mon planning lecture, sauf que, enfin je suis en retard et en même temps je lis beaucoup plus de pages que ce que je prévois. Vous savez, mon nouveau truc, c'est de suivre le nombre de pages que je lis par jour, et à côté j'ai un objectif du nombre de pages à lire. Je prévois 200 pages les jours où je ne travaille pas, alors je prévois aussi 200 pages les mercredis, même si je travaille le mercredi matin. Donc c'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'en plus mercredi après-midi je cours aux activités, puis les activités cette année coupent l'après-midi en deux, ce qui fait que j'ai peu de temps avant, et j'ai l'impression qu'une fois les activités sont terminées, eh ben on rentre, on fait les devoirs et la journée est terminée. Donc c'est un peu particulier, donc c'est peut-être pas une bonne idée de prévoir 200 pages pour les mercredis. Mais au final, là vous voyez, on est le 6, du coup le 6 octobre, sur les 5 premiers jours du mois d'octobre, j'ai lu quasiment 300 pages de plus que ce que j'avais prévu. Et ça, ça s'explique totalement par les livres audio, puisque sur les 5 premiers jours du mois d'octobre, eh bien, il y a 3 jours où j'ai été sur place. Et donc, j'ai écouté beaucoup de livres audio. Donc voilà, vous voyez, 284 pages, ça veut dire que j'ai quasiment lu un livre de plus que prévu. Et en même temps, je suis en retard sur mes lectures. Donc, c'est vraiment le côté où je vais écouter beaucoup de pages dans la voiture, et puis après je rentre le soir. Normalement, par rapport à ce que j'avais prévu, c'est 100 pages que je lis le soir, et en fait je suis plus capable de lire 100 pages parce que je suis une épave et je m'endors avant. Donc si je lis 50 pages, c'est très bien. Voilà, donc il y a ce côté où au final mon calendrier de lecture, il est fait sur les livres papier, il est pas fait sur les livres audio. Et donc sur les livres audio, ça carbure, c'est du bonus, je lis. Et puis c'est pas le cas en livre papier. Donc bah là, je suis dans une phase où je vais lire des livres qui ne sont pas encore sortis. Donc forcément, il n'y a pas le livre audio qui est disponible. Mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir que j'arrive à mieux gérer et faire comme dans 22 novembre 63 de King, où le livre audio était venu compléter ma lecture papier. Et c'est peut-être ce que je ferai lorsque je lirai les 7 sœurs, le premier tome des 7 sœurs qu'on a prévu de lire en lecture commune bientôt, le 23 octobre. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi matin avec la cheminée parce qu'il fait 5 degrés dehors et il faisait pas très chaud dans la maison. Donc voilà, on fait quelques petits feux de cheminée depuis presque une semaine. On n'en a pas fait 50, mais c'est l'histoire de réchauffer un petit peu la maison en one shot. Et puis après, on laisse le feu mourir, on l'alimente pas forcément toute la journée, mais voilà. Bon, c'est un peu particulier en ce moment au niveau du travail et ce qu'il y a à côté, ce qui fait que je vous retrouve pas forcément très régulièrement. Alors moi, j'ai beaucoup moins de télétravail qu'avant, donc je vais sur place normalement 3 jours par semaine, sauf cette semaine où j'ai été sur place 2 jours. Voilà, et puis en plus j'ai pas été en télétravail les mêmes jours que d'habitude, enfin voilà, c'était un petit peu particulier, parce que j'avais des choses à faire au travail. Et en plus de ça, hier matin j'avais un événement trop sympa, je vous en ai filmé un tout petit bout.
Et cet événement, c'était Michael Christie, le Canadien Michael Christie, est venu en France pour pouvoir eh bien, faire la promo de son livre. En plus, il marche vraiment bien, donc c'est super cool et c'est totalement justifié. Son livre est sorti chez Albin Michel dans le cadre de la rentrée littéraire. Et je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment, enfin pour moi c'est le coup de cœur en fait de cette rentrée littéraire. C'est un livre qu'il a mis 5 ans à écrire et en fait on comprend, c'est une construction de folie. C'est un livre qui paraît, enfin on a l'impression que c'est un pavé et que ce sera pas forcément évident à lire. Là on est sur tac tac. Tac, sur presque 600 pages. Mais en fin de compte, ces 600 pages passent toutes seules et limite, ce n'est pas assez. On est sur un livre très familial, mais famille au sens large du terme. On est sur un livre un peu environnemental, mais l'environnement n'est pas là comme c'est pas culpabilisant, c'est pas moralisateur, etc. C'est l'amour de la nature en fait. C'est vraiment dans ce sens-là, l'amour de la nature. Et donc cette fameuse construction, telle eh bien la souche d'un arbre, où on part de 2038. Avec des choses qui se passent, dont le grand dépérissement, qui fait un petit peu froid dans le dos. Et puis, on continue comme ça. Donc, on commence en 2038, on continue en 2008, 1974, 1934, on arrive ensuite en 1908, puis de 1908, on retourne en arrière et on fait 1934, 1974. 1900, non, pardon, 2008 et 2038. Voilà. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai lu le tout premier chapitre, au début, enfin, la première partie, je me suis dit oui, mais je n'étais pas convaincue. J'avais peur que ce soit un petit peu long, etc. Quand je vous dis la première partie, franchement, je vous parle de très peu de pages, hein, de 50 pages, quoi. Et ouais, j'avais peur que ce soit un petit peu long. Et puis en fait, après, on est attrapé dans l'histoire. C'est hyper addictif, c'est hyper intelligent. Les personnages sont très attachants. Ils ont vraiment des défauts. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont vraiment des personnages avec des défauts. Mais on les comprend, en fait. On comprend les défauts. On comprend, il y a un côté. C'est parfois, les défauts, c'est un peu leur démon aussi. Et j'ai notamment en tête une sorte de course-poursuite, enfin course-poursuite dans le sens large, mais en tout cas une sorte de recherche, une traque entre deux personnages. On ne sait pas qui est le bon et qui est le méchant. Alors c'est pas bon, je vous dis ça en très résumé, mais en fait les deux sont attachants et à un moment donné l'un cherche l'autre et on ne sait pas si on doit être pour l'un ou si on doit être pour l'autre. Si voilà. Donc très très puissant. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait en fait on suit les personnages d'une famille. Ils ont des points communs et ils ont enfin dans les points communs, ils ont le fait de rejeter en fait leurs parents. Alors à chaque fois c'est plutôt un personnage, c'est-à-dire qu'on va voir une femme, on va voir son fils, on va voir sa fille, et voilà, c'est pas les parents, mais il y a un côté, la fille va rejeter son père, mais en fait, ils ont beaucoup de points communs, le père a cherché à rejeter sa mère, enfin, il y a un côté comme ça, mais sauf qu'en fait, ils ne savent pas, eux, qu'ils ont ces points communs-là, et ils vont parfois partir sur des préjugés ou vraiment des choses totalement fausses qui croient dur comme fer. Et nous, qui sommes dans le secret, on sait que c'est faux, mais personne ne viendra les détromper. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que lecteur, on sait beaucoup plus de choses que les personnages eux-mêmes. Des fois, on aura envie de leur dire, mais non, mais si, il t'aime, c'est pour ça qu'il a fait ça pour toi et tout, mais en fait, on peut pas. Mais voilà, donc hyper puissant, vraiment hyper puissant, la construction hyper puissante. Et là, quand il nous a dit qu'il a mis 5 ans pour l'écrire, mais oui, en fait, oui,
On comprend totalement. Ça se justifie totalement. Enfin, ça se voit. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on lit ce livre et quand on lit ce livre, on se dit, ah ouais, là, je suis vraiment tombée sur quelque chose, quoi. Enfin, ça me fait. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais ça me fait penser au. Bah, par exemple, à Paradis perdu, le premier tome là, de la grande saga d'Eric Emmanuel Schmitt, le deuxième sort bientôt. Bah, quand on le lit, on sent qu'on est sur. Ah, c'est quelque chose, quoi. Enfin, c'est un livre qui n'a pas été écrit en 2 secondes comme ça. Et je vous dis ça alors que je suis fan d'Agatha Christie et elle a pu écrire jusqu'à 4 livres dans une année. Mais là, on est vraiment sur. On se dit, ah ouais, ça a été travaillé, ça a été réfléchi, c'est puissant, c'est hyper fort, et ça fait que 600 pages, il en aurait fallu 200 de plus, voilà. donc c'était super chouette. Alors, Michael Christie, il est hyper sympa, il est hyper accessible, donc ça ajoute, je trouve, limite, je vais mettre ce livre en place numéro 1 de mon livre préféré de l'année parce qu'il est trop sympa. Non, mais en tout cas, il est vraiment très très accessible et tout. Donc, il est canadien, il ne parle pas beaucoup français, juste quelques mots, mais pas beaucoup. Mais alors moi qui ne suis absolument pas bilingue, bah écoutez, j'ai été très très contente parce que j'ai réussi à comprendre tout ce qu'il disait. Alors je suis peut-être pas passée à côté de peut-être de petites phrases ou je suis peut-être passée à côté d'une ou deux infos. C'est possible. Mais globalement, j'ai vraiment compris et je suis contente parce que franchement, je pars de loin. Alors, par contre, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en anglais. Donc, à la fin, j'ai juste dit bah, voilà, que je parlais pas très bien en anglais, mais que j'avais beaucoup aimé son livre et tout. Mais je suis assez limitée et bon, je suis tombée avec des personnes qui parlaient très bien anglais, qui posaient leurs questions en anglais. Et de mon côté, ça, je n'ai pas pu. Mais voilà, c'était génial. En plus, on était donc c'était un petit déj dans un café. Alors d'ailleurs le gérant nous a offert des marque-pages qui sont trop rigolos comme vous pouvez le voir. Donc c'était aux éditeurs à Paris, Carrefour de l'Odéon. Et le cadre était trop sympa quoi. Enfin, c'était génial et il y avait que nous en fait, donc c'était top. Forcément, comme vous pouvez vous en douter, mon livre est dédicacé et ça c'est trop trop cool. Mais c'est une occasion de fou quoi. Enfin, on est quand même sur quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. C'est pas un auteur. Alors, j'ai vu Bernard Werber il y a 10 jours. Mais voir Bernard Werber, c'est génial, hein. C'est quand même pas n'importe qui et tout ça. Il habite en France. Je n'en dirai pas plus. Je n'irai pas spoiler sur des endroits où il peut travailler parce que j'ai des petites infos de copine, mais je ne dirai rien. Mais il y a un côté géographiquement, il est plus accessible. Mais vu tout ce qu'il a écrit depuis un paquet d'années, il vend vachement bien ses livres. C'est un auteur connu. Enfin, donc il est accessible niveau géographique, mais pas trop en tant qu'auteur. Dans le sens où il est très sympathique, mais dans le sens où voilà, ça reste quand même l'un des auteurs les plus connus en France, quoi. Là, il y a un problème de géographique en fait. Il habite super loin, donc c'est une chance incroyable. Donc voilà, et avoir un petit déj comme ça, on n'était pas beaucoup, c'était hyper convivial. C'est une parenthèse au milieu d'une semaine de folie, c'est trop trop cool, quoi. Et forcément, pour un événement comme ça, enfin. Je peux prendre une demi-journée avec plaisir parce que c'est trop bien. Voilà, donc ça a été un vrai plaisir, vraiment un vrai plaisir de le rencontrer. Voilà. Ensuite, j'ai terminé avant-hier soir Happy Fucking Christmas, Dear Janet de Lucy Bridge chez Cherche Midi avec cette couverture. Mais en fait, si vous voulez. Au début, quand je voyais cette couverture, je me disais, oui, ok, c'est un chien, mais alors le pull. Maintenant, quand je vois cette couverture, je me dis, oh, qu'est-ce qui fait triste ce chien, comme Janet. Voilà. donc, j'ai terminé. Donc, j'ai vraiment bien aimé.
Le début, donc le début, bah, m'avait rendu assez triste bon, quand j'avais lu les premières pages au début. Puis ensuite, j'ai lu encore quelques pages et j'ai assez rigolé. Et sur toute la fin, je me suis marrée. Et en fait, donc l'histoire, en fait, c'est que Janet est vraiment très triste. Et dans son entourage, tout le monde est sous antidépresseur. Et pour elle, c'est la norme. On ne dit plus, on ne se présente presque plus par son prénom. On se présente en se disant, ah, moi, je prends tel antidépresseur. Ah, moi, je prends tel antidépresseur. Voilà. Limite, si, enfin, c'est ce qu'elle dit un peu à un moment donné, sur un plan de table pour noter les personnes, pour faire les petits marque-places, au lieu d'écrire le prénom, on écrit le médicament, quoi, ou la combinaison de médicaments. Mais voilà. Donc, elle est dans cet univers-là, mais elle veut pas aller dans les antidépresseurs parce que voilà, non mais c'est quoi ce truc? Sauf que en fait, son médecin à un moment donné lui parle d'un super antidépresseur, un nouveau médicament de fou. Et si on commence au mois de novembre, on nous garantit de passer un Noël joyeux. Voilà, et donc, bah, au final, elle se laisse tenter, enfin, ce qui est assez fou connaissant Janet, elle se laisse tenter, et puis voilà, on va suivre ça jusqu'au bout. Donc, je ne vais pas vous dire qu'elle a été hyper enthousiaste, mais en tout cas, moi, de mon côté, ça m'a donné encore plus envie d'être à Noël. Et je dois avouer qu'avec le temps pourri qu'on a eu cet été, d'habitude, chaque année, quand on a un bel été et tout, ah, j'ai envie que l'été dure encore et tout. Et là, en fait, quand l'automne est arrivé, je dis, bon, allez, ok, c'est bon, l'automne est là. Non, ça veut dire que Noël est là. Voilà, on saute l'automne, on saute le moment où on a les journées qui raccourcissent comme en ce moment. C'est horrible, hein. Il fait nuit, mais moi, tout le trajet du matin, je le fais dans la nuit. D'ailleurs, j'ai horreur de ça parce que comme je vais au travail en voiture et que, y a énormément de motos et que moi, bah, j'ai des petites stratégies de des fois faut être sur la voie de droite, des fois sur la voie de gauche pour que ça avance mieux en fonction des sorties, des entrées, des machins, etc. Et j'ai tendance à slalomer, sauf qu'il faut que je regarde vraiment bien dans mon rétro. Et la nuit, bah, c'est pas toujours évident au milieu de cette foule, ces bouchons de voitures avec 50 000 phares de partout. C'est pas toujours évident de repérer ceux qui bougent un tout petit peu et celui qui va à fond parce que c'est une moto qui passe entre les voies. Et voilà, donc ça j'en ai marre. Et puis bah, le soir il fait nuit de plus en plus tôt. Mais bon, pour l'instant ça va. Effectivement, il fait nuit de plus en plus tôt. Au début ça fait bizarre parce que c'est arrivé très vite, mais bon, ça va. Donc avant qu'on arrive vraiment, le matin il fait froid. Mais l'après-midi il fait un peu meilleur. Là il a pas plu, mais en début de semaine il a plu comme je sais pas quoi. Enfin bon voilà, tout ça moi j'aime pas du tout. Mais en même temps, ça y est, c'est début octobre. Ça y est, il y a les premiers catalogues de Noël qui sortent. Action, ça fait 2 mois que les rayons sont remplis de trucs de Noël. Donc voilà, ok, c'est cool, on passe à Noël. Moi, j'ai hâte, je commence à me dire, tiens, les comédies romantiques de Noël, je vais peut-être pas tarder à commencer. Et voilà, je suis vraiment dans ce truc en me disant, chaque année, on entend tout le monde, oh, c'est le mois d'octobre et on parle déjà de Noël. Ouais, mais en fait, c'est pas grave, parce que Noël, ça fait du bien au moral, c'est une belle fête, on est content. Et ça veut dire quoi? Qu'on va passer le mois d'octobre en surtout ne pas penser à Noël et se focaliser sur la pluie, la nature qui meurt, les journées qui raccourcissent et tout, et on se met des œillères pour pas penser au truc positif? Non. Donc pensons à Noël. Et donc ça m'a encore plus mis dans ce truc-là, en fait, si vous voulez, de se dire, ah ouais, les préparatifs. Ah ouais, oh ouais. Enfin voilà, ça donne hâte. Donc voilà, bah, j'ai passé un bon moment. Janet est un personnage très particulier. Donc je vous ai déjà lu un petit passage, mais vraiment, c'est à mourir de rire. Donc voilà. Je vous conseille du coup cette lecture. J'ai un petit peu avancé hier la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Donc toujours le rythme au ralenti, on souffle, on respire, un côté très méditatif. Ce qui fait que, alors j'ai réussi à le prendre hier à des moments où j'étais disponible pour ça. Plutôt un petit peu hier matin, parce que j'avais posé ma matinée. Surtout pas hier après-midi, où l'après-midi a été hyper
hyper longue déjà au niveau du nombre d'heures d'un après-midi. Si je fais x2, ce serait une très grosse journée, ce que je ne fais pas. Donc là, ouais, ça, j'ai travaillé beaucoup d'heures. J'ai pris une pause, je me suis levée pour faire un thé. Mais voilà, donc pas hier après-midi, pas dans ce truc de folie. Enfin, je dis ça, mais en fait, ça a même été encore plus long que ça, parce que j'ai encore eu il y avait encore des choses à régler le soir. Donc, dans ces cas-là, pour moi, c'est pas possible. Quand je suis dans ce truc-là, de tout à fond, au travail, 50 000 sujets, faut que je sois au rendez-vous surtout, à la maison, 50 000 sujets, il faudrait que je fasse des choses pour la cricket, il faudrait que j'avance dans mes lectures parce que je suis en retard dans mon planning, il faudrait que j'avance dans mes tricots, bah, parce que c'est quand même mon second job, il faudrait que je fasse de la couture, etc. Et les vidéos, j'ai pas mis de vidéo en ligne cette semaine, enfin, voilà, il faudrait que je fasse tout ça. Si je suis dans ce mode-là, je ne prends pas la papeterie Tsubaki. Il y a un trop grand écart entre mon état de stress et la papeterie Tsubaki qui oblige à se poser, mais là je suis trop à l'opposé, donc il faut que j'arrive à reprendre ce livre à des moments vraiment où je suis disponible, un minimum disponible. Je dis pas totalement apaisée non plus, mais un minimum disponible, quoi. Voilà, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de retrouver ce livre. Et puis, sinon, le livre que je lis en ce moment, c'est celui-ci, « Je connais ton secret » de Eska Tremaine, je ne sais pas comment on le dit. Je le lis dans le cadre des Top Lecteurs France Loisirs, donc je ne vais pas vous donner mon avis. J'ai juste hâte de vous donner mon avis, mais pas pour l'instant. On verra d'ici plusieurs semaines. Voilà, voilà pour ça. Une fois que j'aurai fini ce livre aujourd'hui, je pense, je lirai Archie d'Alia Cardin qui sortira dans un petit peu moins d'une semaine, et je lirai ABC contre Poirot ce week-end. J'ai hyper hâte de lire ABC contre Poirot. Pour moi, c'est l'un de mes Agatha Christie chouchou, tout comme Mort sur le Nil est un Agatha Christie chouchou, tout comme Le Meurtre de Roger Ackroyd. Voilà, ça fait partie pour moi des hyper classiques, en fait. Et donc, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est pas pour ça que je le connais par cœur, page à page, mot à mot, et donc je suis super contente de me replonger dans ce très très chouette Agatha Christie. Voilà, et puis ensuite, eh bien, lundi, on commencera la lecture commune sur La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. J'ai aussi très très hâte. Voilà, donc pas mal de lectures prévues dans le mois. Donc si vous voulez participer à une lecture commune, n'hésitez pas à aller regarder sur mon compte Instagram dans les stories à la une. Là, je vous indique les lectures communes qui sont programmées. Et du coup, bah, de mon côté, je vous disais que j'avais pas mal de retard sur mon planning et tout, et en fin de compte, ça s'est beaucoup mieux passé, tout simplement parce que j'ai été prise dans des lectures, et ça, du coup, je lis beaucoup plus vite, beaucoup plus de pages, j'arrive à me trouver plus de temps, tellement je suis bien dans ces livres. C'est et en fait, ça me fait penser à quelques livres que je devais lire, en fait. Vraiment, je devais lire parce que je me suis engagée dans des deadlines, etc. Je pense notamment à La couleur du silence aux éditions du Seuil qui est sorti cette semaine. C'est un livre que je devais lire parce que j'ai reçu parce que je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique. Et voilà, la date approchait. Moi, je l'avais pas encore lu. J'étais juste niveau temps pour pouvoir publier ma critique. Et en fait, c'est quelque chose où il y a tous les ingrédients de mon côté pour que je décroche, pour que j'y aille à reculons, etc. Enfin, quand il y a comme ça une sorte d'engagement, en fin de compte, je crois que j'ai des soucis avec l'engagement, mais quand il y a une sorte d'engagement, j'ai du mal parfois à rester enthousiaste, etc. Et puis là, donc ça fait plusieurs fois que ça me fait ça au niveau des lectures, et plusieurs fois je prends le livre et c'est une belle découverte, je suis bien dans le livre, je le lis super vite, ça a été hyper agréable, je donne mon avis avec plaisir, et voilà, et je trouve que c'est très rigolo parce que globalement dans les livres, il y en a qui se lisent plus facilement que d'autres, il y en a que je préfère, etc. Mais globalement, j'ai pas d'immenses déceptions
Et je trouve qu'à un moment donné, il y a toujours... la magie opère toujours à un moment donné, en fin de compte. Voilà, c'est au niveau des livres, il y a... C'est aussi pour ça que j'abandonne pas la lecture, parce que je laisse toujours une petite chance à cette magie. Alors oui, des fois, c'est vrai que ça n'opère pas. Mais là, si vous voulez, j'ai lu 100, je sais plus, 105, 106 livres depuis le début de l'année. J'avais mis un objectif au tout début de l'année à 70 livres. Je croyais que c'était 80, mais a priori, c'était plutôt 70. Je suis retombée sur un post il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai beaucoup plus lu que ce que j'avais prévu. Donc, ça, je vous avais fait une vidéo cet été sur mes 10 conseils pour lire plus. Je crois que j'avais mis en ligne début août. Et que je m'applique totalement et qui fonctionne du coup. Et sur tout ce que j'ai lu, eh bien, je trouve que, enfin, j'ai fait énormément de belles découvertes, y compris des livres que j'ai reçus et où j'étais pas forcément convaincue. Je les ai quand même lus et c'était vraiment très chouette. Et ça m'a sorti parfois de ma zone de confort et tout. Et voilà. Donc, je finis sur cette note positive sur des livres, des belles découvertes dans des cadres assez engagement, deadline, où on m'impose un peu des choses. Alors, je l'ai voulu, si vous voulez, mais quand j'arrive au moment où faut lire le livre, j'oublie un peu tout ça. Et en fin de compte, à chaque fois, je commence le livre et pioum, je me fais attraper par l'histoire et c'est magique et voilà. J'adore ça. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager sur vos réseaux sociaux, enfin notamment en story sur Instagram, ça me fait toujours super plaisir, puis c'est hyper important pour ma chaîne et tout, donc c'est trop cool si vous le faites. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Donc là, au niveau des rythmes des vlogs, je m'engage pas à grand chose parce que, comme je vous ai dit, au niveau du travail, ça va pas mal s'accélérer les prochaines semaines. Enfin, du coup, vous voyez un peu comment sont mes vlogs maintenant. À chaque fois que je reviens, j'ai un peu des livres terminés. Donc, c'est un format vlog qui pourrait être plutôt dans des vidéos comme je faisais avant de points sur les livres que j'ai lus. Bon, j'espère que ça vous convient en tous les cas. Si dans ce que je vous ai dit, il y a des livres qui vous plaisent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. C'est assez intéressant pour moi aussi de savoir ce qui peut vous attirer dans les lectures que je partage. Et voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Et d'ici le prochain vlog lecture, je vous souhaite de très belles découvertes livresques. À bientôt.